Yo tout le monde, c'est une vidéo sur Vanadia pour la présentation du serveur. Donc les amis, le serveur il ouvre le samedi 1er mai à 16h, je compte sur vous pour être là. Donc du coup, je vais gagner un petit grade de prince à partir de 25 likes, donc je compte sur vous pour liker, commenter et vous abonner. Mettez un petit commentaire avec votre pseudo pour cela, voilà, écoutez les gars, bonne vidéo. Ok les amis, donc du coup ici nous avons les petits quêtes, voilà. Je vais vous présenter un peu l'arbre des talents. Donc du coup, quand vous débloquez des quêtes, vous avez des points. Et avec les points, vous pouvez... il faut 100 tokens pour pouvoir débloquer cette compétence. Donc en gros, imaginez, vous êtes joueur, vous n'avez qu'un homme. Vous pouvez faire des quêtes, débloquer par exemple genre 200 points. Et ensuite avec les points, moins les tokens, vous débloquez un homme. Et après, c'est vous qui décidez où vous allez. Mais avec les tokens, même si vous faites toutes les quêtes, vous ne pourrez pas tout débloquer. Donc voilà, ce sera à vous de faire en fonction de votre mode de jeu. Donc comme vous pouvez le voir, ici, à partir de là, vous pouvez prendre ici, mais après ici, vous n'aurez pas de quête, je sais pas pourquoi. Mais ici, bah, vous avez, voilà, du coup, ici, vous avez d'autres petits trucs, chance double quitter tout, c'est pas mal ça, je pense, ouais. Donc écoutez, voilà, c'est comme vous voulez, mais du coup, si on refait ça, on va dans les arbres, dans les quêtes. Vous pouvez faire une quête par, du coup, catégorie, comme vous pouvez voir, moi, du coup, ils me disent comme quoi, quand je vais dessus, j'ai 10 jetons, voilà. Ah d'accord, voilà, en réalisant la quête que je suis en train de faire là ici, j'ai 2500 chicken, je gagne 10. Vous voyez que c'est pas énorme, hein. Voilà, vous pouvez en faire une partout, là. Bon, je choisis ici, voilà. Donc vous voyez, les quêtes sont assez compliquées, mais ça va, c'est pas trop compliqué non plus. Ok les amis, donc ici nous avons des petites nouveautés, par exemple ici nous avons le Stat Strike, du coup c'est pour les joueurs de monstres, en gros vous le mettez sur votre épée, et vous pouvez voir combien de joueurs vous êtes tués et combien de mobs vous avez tués. Ce qui est plutôt pas mal. Ici, nous avons le petit 3 long Easter. Donc, en gros, c'est pour les votes. Je vais vous montrer ça. Normalement, il doit y être en place. On voit par exemple, on a trouvé des Easter eggs. Voilà, donc du coup, c'est pas encore mis. Du coup, on a trouvé 5 pour pouvoir monter de niveau et jusqu'à aller au meilleur niveau de vote. Ensuite, ici, nous avons du coup le slash title. Donc, c'est comme la version d'avant, la version 5. Voilà. Donc voilà, pour avoir les catégories, voilà, légendaires et tout, la forme légendaire et tout ça, ce qui est plutôt pas mal. Ici nous avons les nouveaux objectifs du coup, c'est comme cela en fait, c'est les objectifs pour débloquer les titres. Voilà, comme vous pouvez le voir, on a plein de choses. Ici du coup, on a un nouveau trade, mais je sais pas si on peut le voir, si on fait ça, non du coup on peut pas. Mais les trades du coup, maintenant on peut trade les PP comme avant, mais on peut trade aussi les spawners, ça ce qui est bien. C'est une nouveauté qu'il y a maintenant. Du coup, on a aussi un classement pour les joueurs. Voilà. Et ici, du coup, pour les Easter eggs que j'expliquais juste avant. Voilà. Du coup, les amis, ici, nous avons les petites zones des classes. Voilà, quand en fait, vous êtes niveau 8 de la classe, ici, vous pouvez venir voir plus classe. Et donc, faut être enchanteur niveau 8 pour pouvoir utiliser les enclumes. Du coup, en gros, ces enclumes nous permettent de réparer nos objets pour moins cher. Et juste ici à côté, si vous avez notre classe, du coup, c'est plus quelle classe, on va voir. Du coup, vous devez taper, voilà, vous devez être classe épéiste niveau 8 et vous devez taper casser, voilà, comme vous pouvez voir avec la pioche, les casser, et du coup ça vous récupère votre item, ce qui est plutôt pas mal. Donc, voilà, c'est pas pareil, voilà, pour toutes les autres classes, voilà, toutes les classes qui sont réunies ici. Je fais un petit tour, voilà. Bon, ouais, ben, ici là-bas il y a classe pêcheur et tout, je crois. Bon, voilà, il y en a un peu partout. Vous découvrirez tout ça en direct. Du coup, les amis, nous avons un nouveau event, du coup, c'est les catastrophes élémentaire, voilà, hop, je vais mettre le flag, du coup c'est ça, j'ai mis un petit truc comme ça, catastrophe élémentaire, en gros comme vous voyez dans la zone, et du coup je crois que c'est ça, ouais, comme vous voyez ici, on voit qu'il y a une nuée ici, voilà, un chemin, et en fait ça fait tout le tour de la warzone, et en fait ici c'est lave, là-bas moins feu, là-bas sera glace, terre et tout ça, voilà. Vous avez compris le système quoi. Donc du coup, et normalement il y a des petits objets qui spawnent et vous devez du coup les miner, ça vous donne des éléments. Si je me souviens bien. Et après, vous avez quoi les châteaux, c'est ça. Les event châteaux comme là-bas, je crois. Voilà, ça, l'event château là-bas. En gros, lui, par exemple, il donne, je crois que c'est force. Après, il y en a d'autres qui donnent, par exemple, haste et tout ça. Voilà, speed. Vous avez capté. Ok, donc ici, les amis, nous avons, du coup, les nouveautés. Nous avons des, du coup, buissons, des chambéries. Ici, les blueberries, je crois, ouais, c'est ça. Donc, en gros, vous avez aussi un nouvel item, mais du coup, il n'est pas là. Mais c'est du coup un récolteur automatique. En gros, le récolteur, lui, vous permet, mais du coup, vous le mettez. Et du coup, il vous donne des blueberries desséchées. Et en fait, eux, vous pouvez vendre moins cher. Et après, sinon, avec la Vanna Farm, vous pouvez les, du coup, les avoir et en avoir beaucoup plus. Et du coup, vous aurez directement des cranberries et des blueberries que vous pouvez prendre plus cher au shop. Donc, ce sera à vous de voir quel type de farm vous voulez faire. Voilà, voilà.
Ok les potes, donc du coup le destructeur a été remis pour cette version mais il a été changé, du coup normalement il n'y aura plus de bugs. Donc du coup avec le destructeur, bon qui dit destructeur dit bloc anti-destructeur, oula j'ai bégayé, et du coup coffre anti-destructeur, ce qui est plutôt pas mal. Donc ensuite là ici vous avez les clés qui permettent d'ouvrir les portes, portillons, trappes, tout ça en fait voilà dans les clems. Et ici vous avez les petites pièces ouvrières pour pouvoir dans les coffres, voilà voilà. Et du coup ici vous avez le petit creeper aquatique et c'est pour la classe pillage, que vous pouvez acheter que pendant les purges du coup, voilà les creepers. Du coup comme vous avez pu le voir ici, nous avons les items qui ont été remis. Du coup ici le générateur à potions, vous mettez votre petite potion que vous voulez. Ici l'énergie et du coup ça vous craftera vos potions. Du coup ici pareil, élément ça fonctionne pareil et la XP ça fonctionne exactement pareil. Ici du coup vous avez la enchant fishing, je sais pas quoi ça sert. Ici vous avez pierre de hast et ici vous avez le feu d'invisibilité du coup qui permet de vous rendre invisible. Mais lui je ne sais plus à quoi ça sert la pierre de hast, je crois que c'est pour du coup avoir hast, mais c'est bien ça. Ouh, un petit black market ici, regardez moi ça, qu'est ce qu'il nous donne. Je sais pas obtenir les pièces. Oulala, je veux tout ça moi, attendez regardez moi ça. C'est pas mal, hein. Ah oui d'accord en fait. J'ai 32 pommes shit. Waouh, c'est cher les gars, c'est cher. Bon du coup les gars, on a fait un peu tout le tour. Je pense qu'on a un peu tout vu sur ce des potes. Merci de la vidéo et bye bye.